Hey, salut à tous les amis, c'est la Forge Pokémon, j'espère que vous avez la forge de m'écouter, ça va super. Aujourd'hui les amis, dimanche, on se retrouve pour un top 10 de cartes Pokémon. Et oui les amis, j'en fais à peu près toutes les 2-3 semaines, voilà, ça fait super plaisir. Et cette fois-ci, on se retrouve avec un top 10 des méga Pokémon X et Full Art. Et oui les amis, ça change un petit peu de d'habitude. Bah écoutez, je vous ai réservé un très beau top 10. Donc eh bien, écoutez, on va passer par les méga normales, méga secrètes et méga X Full Art. On va traverser tout le bloc XY et même plus, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, je vous propose tout de suite de commencer ce top. Je vais mettre là-bas pour pas vous spoil. Et du coup, on commence tout de suite avec méga Galeking X Full Art, une magnifique X Full Art qui est sortie à XY5 Primoshock, la 154 sur 160. Pourquoi cette carte est dans ce top? Bah c'est l'une des seules méga de Primoshock qui m'a fait, qui m'a tapé de l'œil, hein, sans vous mentir. Ce Pokémon est un peu emblématique, Galeking, hein, franchement. Galeking, on ne pourra jamais remplacer, c'est un bon gros Pokémon comme Dratak, comme Tyranocif, et en méga, bah écoutez, ça pète tout, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai hâte d'avoir un méga Dratak et également un méga Tyranocif en carte. Franchement, j'ai hâte, je ne sais pas quand ils vont nous faire ça. Voilà, j'ai pas encore regardé les scans de XY7, mais peut-être, peut-être qu'on aura ça. Du coup, voici, admirez cette carte toute bleue avec du rose, assez belle, regardez-moi ça. Donc, M Galeking X Full Art, voilà, une très belle carte. Écrasement Megaton, 120 plus, c'est vraiment une très très bonne carte. Voilà. Écoutez, c'est parti pour la place numéro 9. Et on enseignera avec... on commencera, on enseignera. On commencera avec une carte Pokémon assez emblématique. Le Méga Dracaufeu XX secrète de Étincelle. Une carte extrêmement, extrêmement convoitée. Puisque c'est une carte du bloc XY qui coûte le plus. Avec, bien sûr, d'ailleurs, Méga... Diaga Full Metal. En passant par toutes les secrètes de chaque série. Donc, voilà. Magnifique, Mega Dracaufeu XX secrète. Magnifique carte, on voyait les secrètes, les premières secrètes de XY avaient des bords gold comme ça et non des bords à épaisseur. Voilà. Du coup bah là quand vous touchez bah il n'y a pas de sensation. C'est juste la couleur et du coup la méga était juste pas. Enfin la méga qui n'était pas secrète était juste pareille, mais sans les brillances dorées, ce qui est que ce que je... Enfin, je trouve ça un peu dommage, voilà, je trouve ça un peu dommage. Moi, je préfère vraiment qu'il y ait de l'épaisseur et tout. Mais bon, là, ils ont vraiment corrigé ça. Je pense vraiment qu'ils doivent regarder l'avis des collectionneurs et des joueurs. Du coup, ça fait super plaisir. Donc voilà, nous voici avec cette magnifique carte. Et du coup, en 8ème place, on aura évidemment, évidemment, on enchaînera par la série après XY. Après XY étincelle avec XY point furieux. Et ça sera que Mega Scarino X secrète. Voilà. Je tenais quand même à la mettre parce que c'est la meilleure carte de XY point furieux que j'ai eu. Et XY point furieux était la série la plus désastreuse pour moi où je n'ai eu que 6 ou 7 ultra sur la vingtaine qui était disponible. Du coup, je tenais vraiment à mettre cette carte parce que j'en suis fier. Avoir une belle secrète comme ça fait super plaisir, les amis. Regardez-moi ça. Donc, en plus, Mega Scarino. Voilà, on voit pas cette carte tous les jours. Dommage qu'il l'ait pas mis plus en avant. On voit à peine sa tête et sa grosse corne. Mais le plus important est là, sa corne, évidemment. Et son gros... Oh putain, mais j'avais jamais remarqué, mais son nez, on dirait le nez de Pinocchio. What the fuck, mec? Et on dirait sa tête, on dirait un ballon de foot. What? On dirait vraiment un ballon de foot de sa tête, regardez. Tac, 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 tac. Moi, quand j'avais un ballon, quand j'étais petit et tout, il y avait ça aussi dessus. What? J'avais jamais vu ça. Eh bah, comme quoi. Du coup, corne Big Bang, une attaque à 180, c'est assez puissant. La carte 112 sur 111. Du coup, c'est bien une secrète. Vous pouvez voir les bords dorés. Mais écoutez, cette carte me plaît tout en vert. C'est vraiment pas mal du tout. Allez, on continue avec bah, une carte qui m'a assez charmé, que j'ai assez eu de mal à voir dans Style Rugissant. Donc, c'est une méga ex de Style Rugissant. Elle était disponible en deux versions, et oui, c'est Mega Rayquaza X, mais lequel? Eh bien, tout simplement celui-là. Et pour moi, je vous le dis, l'une des plus belles Mega X normales du bloc XY, mais certaines encore sont devant, mais celle-ci est magnifique. Hein. Franchement, le Rayquaza est bien, comment dire, pointu, il y a bien un mouvement de vitesse, ça le correspond, en plus on attaque Brise Emeraude, on voit vraiment qu'il brise quelque chose. Encore une nouvelle fois, mon avis, c'est que les écritures japonaises gâchent la carte, hein. Clairement, je suis pas du tout adepte de ça. Les couleurs que vous pouvez voir ici sur ces doigts-là, sur ces pattes-là ici, ça me fait vraiment penser aux couleurs des ex du bloc X. C'était vraiment, vraiment pas mal du tout cette époque-là. Là, je vais pas reparler. Ouais, du coup, bah voilà, écoutez, un magnifique méga Pokémon. Je sais pas, il est beaucoup mieux que l'autre. Hein. L'autre était vraiment raté pour moi. L'autre méga Rayquaza X de la série était vraiment raté pour moi. Celui-ci est vraiment réussi et je suis très fier de le mettre dans ce top 10. Voilà. On enchaînera... Attendez, il reste combien de cartes? Il reste encore 6 cartes. Ok. Et on enchaînera donc, attendez à ce que je vérifie si je dis pas de bêtises, oui, ok, avec la dernière méga X normale du bloc XY. Retenez bien ça. Du coup, voilà, méga en tant qu'X, pour moi,
La plus belle méga ex du bloc XY, clairement celle-ci pour l'instant à partir de XY6, évidemment jusqu'à XY6, pour moi elle n'a jamais été battue. Cette carte du XY de base est tout simplement sublime, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Voilà, méga Tortank ex, hein, clairement Tortank un bon Pokémon. Voilà, j'aime bien son gros canon en haut, c'est assez stylé. Il y a des bulles qui font des bulles et des éclats d'eau, d'océan, de coraux qui font tout le tour de la carte. Il n'y a rien à dire, cette carte est vraiment indétrônable. En plus, voilà, franchement, il est bien mis en avant, on voit bien tout le Pokémon. Enfin, ils auraient jamais pu faire mieux pour cette carte. Hein. Franchement, clairement, je vois pas comment. Alors, ce qu'aurait été stylé, c'est un méga Tortank ex-Soulard, mais ça, c'était inventé à partir, si je ne me dis pas de bêtises, à partir de, je dirais, Primeauchuc. Normalement, voilà. Pas sûr de ce que je dis, mais normalement, oui, c'est ça. Il n'y a pas une méga ectoplasme ex ou art. Ok. Bah voilà. Voilà. Méga Tortank ex. Pour moi, la plus belle des méga ex. Voilà, les amis, je vous le dis, ce n'est que mon avis. Chacun a son avis. N'hésitez pas également à vous faire en commentaire votre propre top 10. On enchaîne avec tout de suite une méga ex full art. Et on va enchaîner avec une autre de la même série. Méga Latios Full Art de Ciel Rugissant, clairement également pour moi l'une des méga ex Full Art les plus belles. Cette carte m'a vraiment surpris, vous voyez, ça fait super plaisir. En plus méga Latios, voilà, c'est magnifique. Et là, il est carrément bah, mis en splendeur. Il est droit, il est tout droit et on voit tout le Pokémon en entier. C'est ça qui a fait que cette carte est dans ce top 10 également. Elle ressemble à Mega Galaking, hein, je peux vous montrer. Voilà, j'adore ce style de carte, mélange de bleu, de violet et de rose. Regardez, c'est un peu le même genre. On dirait pratiquement la même carte, sans déconner, le même fond. Voilà pourquoi, j'ai vraiment les mêmes goûts. Hein, j'ai bien choisi, voilà, c'est les goûts qui sont pareils. C'est normal. Du coup, bah voilà, Mega Latios ex Full Art, très belle carte Pokémon. Et je tenais quand même à mettre en suivant, juste avant le podium, cette carte qui est emblématique et pour moi, ah, je sais pas, qu'elle est peut-être le plus de gueule entre parenthèses, hein, c'est le méga Rayquaza ex Full Art de Ciel Rugissant. Cette carte est, voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment le Pokémon. Pour moi, c'est vraiment la carte qui représente le bloc XY. Ouais, c'est carrément la carte qui représente le bloc XY. Hein. Rayquaza avec l'épisode Delta et la méga Rayquaza et la méga Rayquaza ex Full Art. Clairement, ils ont pas du tout raté leur coup. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire. Cette carte est carrément magnifique. Voilà. Du coup, évidemment, elle a le même nombre de points de vie, le même attaque, etc. que sa méga normale. Brise émeraude, bise émeraude, 220, 220. C'est juste le design qui change. Mais franchement, waouh, 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 waouh. Cette carte, ça envoie du très loin. Du très loin. Et du coup, on arrive dans ce podium, les amis. Je tiens à remercier Miss qui m'a prêté une carte pour faire ce top. Qui m'a prêté même deux cartes. Du coup, on va arriver avec cette carte que je n'ai pas réussi à avoir de mon côté. Du coup, c'est Méga Ectoplasma X Secrète. Voilà. Donc c'est la XYP promo, c'est la combien? Je n'arrive pas à voir parce qu'il y a encore le plastique protecteur, c'est la... Tac, 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 c'est la 0,79. Cette carte, voilà, vous savez, Ectoplasma est l'un de mes Pokémon préférés avec Deoxys, Lugia, Fennec. Et j'étais obligé de mettre un Ectoplasma dans ce top, évidemment je ne regrette pas puisque je n'ai pas mis ni la version normale ni la Full Art. Enfin, le Pokémon Full Art qui ne correspond pas du tout à ce top. Du coup j'ai mis la Mega X, mais secrète, voilà. Enfin shiny, shiny, je dis pourquoi je dis secrète. Il est shiny, mais pourquoi je dis secrète depuis le début? Il est shiny, oui, c'est méga ex shiny. D'habitude il est violet et là il est tout blanc et cette carte est carrément magnifique. Voilà. Et je préfère que ça soit écrit en anglais également. Hein. Quand les japonais ont des cartes méga, c'est écrit en anglais. Nous c'est voilà, c'est complètement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin bon, voilà. Voilà, vous pouvez admirer sa magnificence, voilà. J'essaie de placer des mots. Alors voilà, bah t'écoutais très bien avec les petits dragibus, ça fait plaisir. Voilà. Tac tac tac. Ouais mon gars, je vais te manger. Ok. Très bien. Bah écoutez, il reste encore deux cartes. On va finir par une carte qui ne fait pas partie du bloc XY. Mais entre parenthèses si. Du coup là, en deuxième place, je ne pouvais pas mettre cette carte. Hein. Il y a son confrère qui était au début. Voici Méga Dracaufeu X. Y secrète, voilà, cette carte, j'étais obligé de la mettre, hein, j'ai mis son confrère, mais bien sûr, je trouve beaucoup plus belle le Méga Dracaufeu Y que le X. Le X, pour moi, a complètement été déformé, hein, avec des flammes bleues et tout, alors que le Y était vraiment, la base a été gardée, juste une grosse corne, quoi. Et pour moi, ça correspond plus ce méga-là que l'autre, après, chacun a son avis, évidemment. Mais voilà, une carte extrêmement convoitée également qui avoisine les 50 € de cote, comme cette carte qui cote peut-être un peu plus 60 € peut-être, c'est quand même assez énorme. Très content d'avoir ces cartes d'ailleurs qui m'ont été offertes par des abonnés, il me semble. Les deux m'ont été offerts par des abonnés également, donc je vous remercie, ça fait super plaisir. Et du coup, bah voilà, plongeon écarlate 300, comme l'autre avait un feu furieux à 300. Celle-ci était la 108, celle-là c'est la 107. Ces deux cartes-là sont vraiment emblématiques du bloc XY et celle-ci mérite entièrement sa deuxième place. Et du coup, les amis, clairement,
Clairement, je sais pas pourquoi je dis clairement, j'aime bien ce mot. Pour cette dernière place, on se retrouve avec une méga qui ne fait pas partie des séries XY, mais un méga Pokémon très très apprécié. Un méga Pokémon que Miss a ouvert dans son coffret, que j'ai ouvert dans mon coffret. Je vous invite tout de suite à aller voir ces deux vidéos. Évidemment, c'est méga Pingouin. Non, je rigole, c'est méga Absol X. Méga Absol X, oui, voilà, c'est cette carte pour moi est la plus belle des cartes promo de toutes les séries. Voilà, j'ai eu réellement un coup de cœur pour cette carte, la XY63. Voilà, c'est une, pour moi, je pourrais pas mettre une méga Full Art en premier, parce que les méga Full Art, c'est trop pour moi. Je l'ai clairement dit, c'est trop. On a été trop loin pour moi. On m'a perdu à partir du moment où il y a vraiment les méga Full Art. Là, on m'a vraiment perdu. Et du coup, là encore, les méga, ça va, on est vraiment pas trop loin, mais là, les méga Full Art, ça a été trop loin pour moi. Et du coup, bah voilà, j'ai pris une méga normale, une méga qui ne fait pas partie des séries normales, mais une méga qui fait partie d'un set promo de promo. Donc méga Absol X du coffret méga Absol. Et franchement, cette carte magnifique, le méga Absol avec ses ailes, un Pokémon très attendu, on l'attend encore, j'espère l'avoir en méga Full Art. Voilà, je vous laisse admirer cette magnifique carte de plus près. Voilà, avec sa belle coiffure, son beau truc qui part par le haut. Absol qui pour moi a toujours été, je sais pas pour vous, hein, mais je l'ai jamais pris comme un Pokémon normal. Hein. Jamais. Ni comme un commun, ni comme un peu commun. J'ai toujours pris limite comme un Pokémon légendaire. Hein. Vous savez, il y a toujours des Pokémon comme ça. On a toujours l'impression qu'ils sont légendaires, alors que pas du tout. Mais Absol, pour moi, a toujours eu un plus que les autres Pokémon. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire votre avis, vos hypothèses, vos choses sur ce Pokémon. Moi, en tout cas, bah écoutez, c'est ce que je pense et je l'affirme. Voilà. Du coup, bah écoutez les amis, c'est tout pour ce top 10. Voilà, ce sont 10 magnifiques cartes Pokémon. Je vous invite vraiment à essayer de les obtenir. Certaines sont très très difficiles à obtenir, certaines plus faciles. Pour moi, les plus faciles, bah Mega Absol X. Les plus difficiles, c'est de là. Encore du plus facile, évidemment, c'est là puisque c'est encore disponible. Oh, dans les difficiles, impossible à avoir. Oh, facile à obtenir. Franchement, il faut juste avoir de l'argent dans les boosters que vous allez acheter. Facile. Très difficile et encore faisable. Voilà, ça dépend des boosters encore disponibles. Du coup, voilà, je vous ai donné un petit peu une idée des méga Pokémon que j'adorais. Voilà, donc évidemment, ça c'est les cartes. C'est pas les méga Pokémon que je préfère hors carte. Évidemment, ça sera un autre classement et peut-être que je vous en ferai un. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à faire péter les pouces pour cette vidéo. Me faire votre propre top 10, votre carte préférée parmi toutes celles-ci. Et là-dessus, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.